was born corrupted, as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. We have a mission. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. Legendary, even in hell. Even in hell. Changement de programme. Non pas que le jeu ne soit pas bien, Roller Froze, mais le soleil arrivant, j'ai eu envie de changer d'atmosphère.
Donc on va se lancer sur Little Nightmares, le premier du nom. Vous voyez, je suis sur le menu, je n'ai encore rien commencé. J'avais téléchargé, pas du tout. Tati Daniel m'a offert le jeu. J'ai déjà été dans les paramètres, donc j'ai tout mis en bien, normalement. Hein. Si on revoit, ouais, tout est bon, tout a été gardé. Je pense que la luminosité chez vous est pas mal. Alors, vous allez me dire pourquoi refaire Little Nightmares 1 alors que nous avons terminé Little Nightmares 2. Et bien tout simplement pour comprendre un peu mieux la fin du 2, parce qu'elle était quand même assez énigmatique, et j'ai envie de on a envie de savoir l'histoire de Billy. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse là dans cette partie, c'est de savoir Billy, quelles sont ses origines. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est plus ça. C'est plus ça. Parce qu'on a été quand même un petit peu surpris hein, par sa trahison dans le 2, hein, sans vouloir spoiler, évidemment. Sans vouloir spoiler. Donc, comme dans le deuxième, on se réveille dans un endroit complètement... Hein, on se réveille dans une petite valise. Bon, j'imagine que les contrôles sont les mêmes. Là, on peut se baisser. Oui, voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut attraper les choses? Oui. Comme dans le premier, est-ce qu'on peut jeter? Oui. Très bien. N'hésitez pas à me dire si le son du jeu n'est pas assez fort. Alors, on a un petit briquet. Un Zippo. Donc là, on incarne Billy, du coup. J'ai envie de savoir pourquoi il y a eu trahison. Qui est Billy? Comment ça se termine dans son aventure à lui, dans ce premier opus? C'est ça qui m'intrigue. Voilà, j'ai allumé ici, donc ça fait une petite save. Vous pouvez la voir maintenant, puisque j'ai changé la caméra de côté. Et on ouvre par ici. Et pour se baisser, c'est bien sûr là. Il n'y a peut-être pas besoin. Si, je sais pas. On va réallumer le petit Zippo. Voilà. Pour s'accrocher, c'est R1. Très bien. Bon, les contrôles sont exactement les mêmes. Oui, oui, je suis très très intrigué. J'ai été très intrigué. Enfin, nous l'avons tous été sur la fin du 2. Et salut Léa. Oui, belle idée de jouer au Proms. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, le chien? Le chien est d'accord. Le chien est d'accord, évidemment. C'est une bonne idée. C'est un jeu qui se prête très bien au streaming, en plus, de plus. On a envie de savoir. Envie de savoir. Regardez soi. Ça sent pas le collectible là? Hein? Je m'y connais pas si c'est pas un collectible ça. Voilà. Bravo. Moi qui l'ai fait. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Oui, bonsoir Léa. On en oublie les. Hein? Hein? On en oublie la politesse. Bonsoir. On en oublie la politesse la plus élémentaire. On est tellement content de jouer au jeu qu'on oublie de se dire bonsoir. Alors là, je vais pouvoir m'accrocher quand même. Non. C'est trop haut. Bon, c'est le début du jeu. Hein? Ça doit pas être bien compliqué. Vous avez vu? Il y a des petits... Les meubles sont accrochés. On va enfin comprendre pourquoi il est passé du côté obscur. Exactement. C'est ça qu'on cherche. Bon, ça, est-ce qu'on peut le pousser? Non, rien du tout. Bon, c'est le début du jeu. Ça doit pas être bien compliqué, là, quand même. Là, il y a de l'eau qui coule. N'hésite pas à me dire, Léa, si le son du jeu est pas assez fort ou... Bon, normalement, il peut s'accrocher, là.
J'appuie peut-être pas sur la bonne touche. Bon, ok. Les touches ont changé. C'est pas R1, c'est R2. C'est pas grave. Eh ben dis donc toi. Ça allait si mal que ça? Là on va pas pouvoir l'attraper. Non. Là c'est trop haut. Là faut prendre la chaise. Allez viens la petite chaise. N'aie pas peur. Non, puis ça fait plaisir d'incarner Billy. On s'y est attaché. C'est humain. Oui, pourquoi t'es passé du côté obscur? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Je sais pas si le jeu est silencieux à l'instant T, mais pour l'instant il y a zéro son. Je vais le mettre plus fort. J'ai baissé, mais du coup. Advance. Non. Master Volume. Voilà. Hop. Mais il est gentil, mais je vais le mettre à fond. Voilà, normalement ça devrait être mieux. Tu entends un petit peu mieux? J'ose plus trop mettre le jeu fort parce que j'ai. C'est très très agaçant quand on n'entend pas la voix. En fait, si j'entends des trucs, mais tu peux push le son. Malheureusement, je peux pas plus là. Je peux pas plus parce qu'après, il va y avoir des séquences où ça crie. Là, il veut pas. Ah si, il veut bien. Et vous savez, il y a des moments où ça crie plus. Et en fait, il y a aussi le fait que je ne peux pas sortir du jeu là. Streamlabs déconne parfois avec certains jeux. C'est quoi ça? Je veux pas savoir. Et si je sors du jeu, malheureusement, faut que je refasse tout. Je pourrais mettre le son plus fort avec Streamlabs, mais ça va faire sauter le jeu. Il va falloir, enfin, c'est. C'est un petit peu galère, voilà, pour pas être vulgaire. Bon, on a l'habitude, hein. C'est les petits leviers, les petites choses comme ça, là, c'est bon. Hein. Bon, bah, si tu, en plus, si tu me dis que le son est ok, c'est parfait. Hop. Alors, vous voyez, hein, Eve, hier, qui se plaignait qu'elle avait bien aimé, puis qu'on jouait à des jeux qu'elle aimait pas. Là, elle est au courant qu'on joue à ça, bah, viens pas. Alors, bravo. Normalement, on peut tirer sur les petites planches en bois, voilà. Bon, ça va être crescendo, hein. Et toi, petit bonhomme, où tu vas? Eh, hop, hop. Ah, il nous a bien eus. Du coup, on est tout noir comme lui. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Oh là, mais je joue bien, là. Bravo. Ça, c'est un jeu où je vais pouvoir utiliser mon... C'est moi qui l'ai fait toutes les 5 minutes, hein. Il y a un décalage entre quand tu l'as augmenté et mon message, t'inquiète. Ok. Les puristes rectifiant d'eux-mêmes, je commençais à avoir un petit peu l'habitude et je me suis dit oui, il y avait un petit décalage. Voilà, voilà, hé, reviens là, petit bonhomme. Alors, est-ce que dans ce jeu, on va avoir un autre petit ami? Je ne sais pas. Vous avez un bon beau retour normalement, ouais. Bon, est-ce que t'as toujours possibilité de regarder en 480? Parce que j'ai changé la résolution. Maintenant, on est en 1080. Je me suis permis parce que je me suis dit, comme tu peux... Toi, t'as l'option 480, ça ne change rien. Tu t'es pas lésé, comme disaient les jeunes. Hop. Twitch a dû faire une mise à jour. Hop là. Allez, on va faire un petit coup de manivelle. Après la manivelle, on mettra la mouche. Et voilà. Bon. Eh, petit bonhomme.
Viens là, petit bonhomme. Par contre, il fait pas la glissade dans le premier. Il faisait la glissade dans le deuxième, mais là, il n'y a pas de petite glissade. Qu'est-ce qu'on entend? Je vais mettre le son un peu plus fort pour moi. Voilà. Alors, il faut que je m'agrippe. Voilà. Depuis quelques jours, ça ne rame plus. Et là, en 1080, ça roule, pourvu que ça dure. Ah bah, je te le souhaite. C'est un bonheur, là, de découvrir en 1080. J'imagine. Hop. Mais tu as toujours l'option pour mettre en 480. Hein. On te la partirait. Bon, les saves vont se faire avec les petites lampes à l'huile. Là, il y a un petit rat. Salut. Salut, mec. Ah, on retrouve hein, ces fameuses portes, hein, vous voyez? Avec l'œil. Je vous en avais parlé dans le 2. Très bien, on est mort. Qui c'est qui est mort au bout de... Combien de... 16 minutes de jeu? Hein? C'est moi qui l'ai fait ou pas? Bon, je vais pas la... Ah, en fait, c'est un jeu à streamer où je pourrais mettre ma vidéo. C'est moi qui l'ai fait toutes les 5 secondes. Donc on va essayer d'être raisonnable. Bon, faut couper l'électricité. On avait dit qu'on mettait la mouche et j'ai oublié. J'oublie tout. Je vais pousser la porte. Il y a peut-être quelque chose derrière. Eh, hey, hey, hey. Alors. Allez, viens là. Viens là, la caisse de rouleau de papier toilette. Viens là, ma belle. Ah non, chelou, une fois j'avais l'option 480, mais ça l'a proposé une seule fois. Là, c'est revenu comme avant, une seule option. Je ne sais que te dire. C'est, oui, c'est curieux, hein. Parce que moi, j'ai lu sur internet que Twitch proposait les options de plusieurs différentes résolutions uniquement quand on était affilié au partenaire, je ne sais plus exactement lequel. Bon, il y a des petits cubes, il y a de la balançoire. Hop là, hop là, hop là, hop là. Électricité revenue. Il y a un petit train là. On va lui bloquer le passage. Viens là, mon beau. Viens là, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Allez, est-ce qu'on a le temps de couper l'électricité et d'y aller? Merde, c'est revenu évidemment. Qu'est-ce que je suis... Bon, la mouche. La mouche, ça me détend. La pauvre, elle a dû mourir, je sais pas, des centaines de milliers de fois. Hein. Bon. On recommence. Bon, là, au niveau save, il est un petit peu plus ingrat. Hein. On est obligé de refaire. Hop. Allez, 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 allez. J'ai vu un mec hier sur speedrunner sur Twitch. Speedrunner le 2. C'était très impressionnant. Allez, mais non, mais... Putain, j'ai cru que j'allais me faire avoir. Et c'était très impressionnant, il profitait de plein de bugs, il arrive à sauter par-dessus les ennemis. J'étais très 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 surpris et assez émerveillé par son skill. Après, apparemment, le jeu a beaucoup de bugs là dans le l'opus 2. Et on peut complètement feinter l'IA. Vous savez, les petits bonhommes de porcelaine là qu'on casse. Oula, 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 oula. Ok. Bon, faut rester dans l'ombre. Allez, hop. Ah oui, je dis ça et... Ou alors il faut être Prime pour avoir l'option comme Amazon. Oui, certainement. Certainement. Je crois que c'était... Qui était Prime dans le... dans nos petits amis?
Il avait une petite, il a une petite couronne bleue à côté de son pseudo. Comment il s'appelle? C'est Tama. Voilà. Tama et Prime. Lui, on pourra lui demander, tiens, s'il a, si ça vient de là-haut. Pourra nous indiquer. Et je me suis. Bon. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Allez, c'est un jeu où il faut être un peu patient. Faut être un peu patient, faut prendre sur soi. Déjà, je vais arrêter de prendre mon petit Zippo. Peut-être que je me fais avoir à cause de ça, hein? On va se baisser un petit peu. Et on va regarder venir. Pour l'instant, ça va. Voilà, là, je suis dans l'ombre. Ah, mais il faut courir, je suis idiot. Voilà, là, c'est bien. Allez, on y va. Mais putain. Il s'est bloqué dans le pied de lit. J'attends la fin du cycle. On va y arriver, on va arriver. Hop. Voilà, n'aie pas peur. Allez, Billy. Eh bien. Alors, on est bien là. Hop là. Bon, là, je rallume. Petite save, j'imagine. Très bien. Ouais, il y a eu juste un changement, c'est que les gâchettes ont changé. Ok. Bon, je vais là où il y a la lumière, hein. On n'est pas bête. J'ai vu la lumière, je suis rentré, quoi. Oula, 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 oula. Ah bah voilà un nouvel ami. L'œil de la Providence, c'est ça. Exactement ça. Ça fait penser aussi à d'autres choses. Enfin, un peu franc-mac. Bon, j'essaye de le sneaker par là, hein. Je sais pas si je fais bien. Il y a des enfants qui dorment. On est dans une maternité? Je l'ai pas bien vu lui avec ses longs bras, mais il me dit rien. Hein. Il me dirait qu'il vaille. Bon là, on peut peut-être pousser la caisse. Bon, j'y crois pas beaucoup. Hein. Non, non, non. Non, on peut monter. C'est perturbant, hein, quand on a joué des heures à un jeu et puis qu'on nous change juste les gâchettes. C'est tout bête, hein. Mais hop là. Ça me perturbe. Je me trompe à chaque fois. Oui, c'est l'œil de la Providence, c'est l'œil des francs-macs. En train de réfléchir là. Au moment où ça m'arrive. L'œil des francs-macs, ça. J'en suis sûr. Il y a un message derrière. Ben, notre petit ami, on l'a perdu de vue là. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, mon ami? Il a mal au ventre? T'as mal au ventre? Pas de trouver quelque chose à manger. Ah oui, là ça va pas du tout. On va se hâter. Regardez, il a sa petite main sur sa bedaine. Ah oui, là faut faire quelque chose. Regardez-moi ça. Regardez, l'autre, il est au réfectoire. Ah là là, il nous donne sa pitance. Et nous, sans un mot, sans un bruit, on s'en repaît. Merci, mec. Et il continue. Ah ben non, il continue rien du tout, il nous a tout donné. C'était drôlement gentil de sa part. On te sauvera. On reviendra, on te sauvera. Là, il y a une corde pour se pendre. Très bien. Très pratique.
Là, c'est les douches. Alors là, c'est encore plus mystérieux. La dernière fois, bon, on reconnaissait que c'était une école, on reconnaissait plein de choses. Là, ça fait à moitié entrepôt qui fait aussi maternelle et réfectoire. C'est curieux, hein. Ah, ah, il y a l'électricité. Soit il a besoin d'un water, soit il est possédé. Alors, il y a toujours un petit décalage. À mon avis, il y a des moments où il aura faim. J'ai poussé, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. Ça se trouve, je me suis... Attendez, on va aller voir ça. Avant de faire des conneries. Qu'on va regretter. Non, mais on peut passer par là. Voilà. Tout simplement. Comme disait Jeanne Masse. Oula, oula, oula. J'ai pas confiance. J'ai peu confiance. J'ai cru que j'allais me prendre une cage sur le coin du visage. Petite save. Là, on enchaîne les saves, dis donc. Vous êtes gâtés, hein. C'est bon? Voilà, c'est bon. Ouais, j'avais envie de changer de jeu, là. Aujourd'hui, on... Il y a du soleil, je voulais une atmosphère un peu plus légère. Et bon, on va continuer, hein, bien sûr. Ça, on peut monter à la chaîne, non? Oui. On va continuer, bien sûr, Rule of Rose. D'ailleurs, hors ligne, j'ai un petit peu farmé, hein, dans le sens où j'ai été chercher des biscuits. L'histoire est très bien et tout, mais j'avais envie d'un truc qui donne un peu plus de satisfaction rapidement. Et pour cela... faut pas se mentir, Little Nightmares, c'est parfait. Hein. C'est que des petits tableaux, des petites énigmes, c'est tranquille. Je commence à me prendre la tête là avec Rule of Rose. Donc là, on est là. On va pas pouvoir sauter là. Non. Non, mais bon, on peut monter ici. Voilà. Oui, je reçois tes messages très très en retard, Léa. Pourquoi? Bah, c'est certainement la latence entre le moment où tu l'écris et le moment où je le reçois. Peut-être ou quand tu reçois la vidéo. Et là, le petit truc, ça nous sert à quoi? Ah bah voilà. Merde! Putain. Ah mon dieu. Remarquable. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Ah les salauds, ils nous remettent super loin. Je vais leur écrire. Mais attends, mais on est vachement loin. C'est les douches. J'ai oublié de sauvegarder quelque part. Pourquoi ils m'ont remis si loin, les coquins? C'est fourbe ça. Ou alors c'est moi qui ne suis pas assez réactive. Allez, on va dire que c'est un mélange des deux pour être gentil. Mais évidemment qu'on sait pourquoi. Non, c'est la latence. Ah, c'était ça qui avait fait du bruit. J'avais même pas fait attention la première fois. C'est la porte. C'est la porte qui a... Mais si, pourtant on a fait une petite save ici. Pourquoi ils m'ont remis si loin en arrière? Hein? Ça n'y a rien à comprendre. Pourquoi non? Allez, c'est mieux pour tout le monde qu'on n'en parle pas. Pas envie de perdre encore un follower. On a déjà assez perdu depuis le début qu'on stream. Allez, normalement là, il le fait, Billy. Voilà, c'est bien. On va essayer d'être un peu plus mesuré dans notre saut. Mais merde, mais... Ah, j'ai cru que j'étais encore mort. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je... Faut surtout pas sauter hein, quand on est... Ah là. C'était pas intuitif là, le... La commande, hein. Je vous assure.
faut vraiment se mettre au bord. Mais merde, c'est des erreurs de perspective. Moi, je suis convaincu d'être en face de des caisses, là. Ça nous faisait déjà ça dans le 2, mon Dieu. Ça m'agace et ça agace le chien. Quand je suis agacé, en général, mon chien est agacé. On fonctionne en binôme, hein. On est bien synchrone au niveau de nos émotions. C'est quand même fou. On est au début du jeu. Mon Dieu. Je vous assure que pour moi, je suis en face. Alors, je sais pas. Peut-être que je suis complètement con. C'est bien probable. Mais là, deux fois à la suite, c'est agaçant. Bah, il encaisse bien les chutes. Il repart de plus belle, hein. Lui, effectivement, ça n'a pas l'air de trop le gêner. Mais moi, en revanche, c'est agaçant. Hein. Surtout qu'il me nous remet vachement loin. Du coup, après, on a peur. On a peur de faire une bêtise. Vous voyez, là, j'ai sauté de la planche de droite. Je suis arrivé complètement à gauche du truc. La perspective m'induit en erreur, voilà. C'est le seul petit reproche que j'avais déjà sur le 2. C'est la perspective. Du coup, après, on n'ose plus rien faire. On n'ose plus toucher la manette. Bon, je vous rassure, je vais toucher la manette. Hein. Parce que sinon, ça va être beaucoup moins agréable à regarder. Bon, là, je refais pas l'erreur. En fait, je vais me mettre pile en face. Non. D'abord, tu viens vers moi. On va pas sauter tout de suite, déjà. Ok. Voilà, c'est bon. C'est une affaire qui roule. Allez. J'ai cru qu'il allait sauter. J'ai eu peur. C'est bon. On y est. Je monte assez haut pour être sûr. Voilà. Pour assurer. Assurer le coup. Bon, là, il y en a un gros. Hein. On doit pouvoir toujours monter au tiroir. Hein. Il veut pas celui-ci. Oui, celui-là il va bien. Allez. Ça nous sert à quoi? On va faire un petit escalier. Oui, mais un petit escalier, s'il veut pas ouvrir celui-ci. Ouais, mais il veut bien ouvrir celui-là. Ça tombe bien, hein. On n'aurait pas pu ouvrir celui-là, bah on restait là, quoi. C'est bien fait, quand même. Hein. Les développeurs se moquent pas de nous. Par contre, la maniabilité est un tout petit peu moins bien. Je m'en rends compte, là. Là, on peut sauter sur l'autre. Ah bah non, on peut s'accrocher directement ici. Et voilà. Bravo. Bravo. Bon, là, on n'est pas bête. Ça va être à pousser, ça. Hein. Ah, il y a une petite sauvegarde. Ne soyons pas bêtes jusqu'au bout. Et sauvegardons. Regardez, il est là, le petit bonhomme, notre petit ami. Salut. Salut, Coco. Allez, on le libère. Où tu vas? Il est déjà reparti. Bon. On peut le pousser, ça, ce truc. Ça va faire remonter quelque chose. Allez. On s'accroche à ça, bien sûr. Hop là. Ok. Bon bah je continue, hein. Là on retourne aux douches. Oula, y a du mucus. Merde. Mon dieu, le mucus.
Ça va aller. Évidemment que ça va aller. Il y a un petit côté d'Ian Retry, on a l'habitude. Ce qu'il faut, c'est réagir au quart de tour. Et ça, je sais bien faire. Bon, on a coupé l'électricité, hein. Alors normalement, on peut passer ici. J'ai bien tout compris. Voilà. Oh, on va finir le jeu ce soir, hein. Ça, c'est c'est une certitude. Oula, oula, là, là. Ah, merde. Faut que je sois patient. Pas dur pourtant, hein. Allez, mon petit Billy. Alors, par contre, au niveau de la narration, je sais pas comment ils vont pouvoir développer... Oula, voilà, faut que je fasse gaffe. Je sais pas comment ils vont pouvoir développer son histoire. Parce qu'il est tout seul. On va voir. Ah, il y a Nyctaras qui est là. Non, c'est Eve. C'est Eve qui a pris le compte de Nyctaras. Je suis bien content que tu sois là parce que, hein, c'est un petit peu pour toi qu'on stream ce jeu, hein. Vu comment tu t'étais plaint, que t'aimais pas mon contenu. J'espère que ça te fait plaisir. Oui, c'est ça. Oula, 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 je regardais le chat, évidemment, erreur majeure. Allez, cours, petit... Oh là, non, 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 non. Allez, allez. Oh là 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 là. Remarquable. Oh mon dieu. C'est moi qui l'ai fait. Vous vous rendez compte? En un coup. Bon, je triche un peu parce que j'ai vu ma femme faire ce que je lui ai acheté. Ah, ça va. Je l'ai fait du premier coup quand même. Même si je l'ai vu faire avant. Je passais comme ça à l'improviste devant la télévision, je l'ai vu faire. Bon bah voilà, je vous l'ai dit. Ça restera entre nous. Ça te fait grand plaisir, bah c'est très bien. Il y aura au moins une personne qui sera heureuse ce soir. En plus, comme on en discutait avec Léa, on va en savoir un peu plus sur son background. Léa disait comment se fait-il qu'il soit passé du côté obscur, Billy? Ben on va le savoir, peut-être. Hein, moi ça m'intéresse quand même. Hop. Le jeu est tout aussi joli. Ah, il est encore là, notre petit copain. Où tu vas maintenant? Petit coquin, viens là. Viens là, on a des trucs à te dire. Attendez, il y a une petite sauvegarde ici. Hop. On va sauvegarder, hein. Alors, je sais pas si c'est une sauvegarde ou une forme de collective. Non, 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 pousse pas la porte, on n'est pas encore rentré. Bon, ça serait pas bien malin. Hop, on peut pousser ça? Pas du tout. Par contre, on peut voir un petit peu de l'autre côté, vous voyez? On verra ça après. Ah. Ah, regardez. C'est quand je marche sur la dalle. Ça ouvre la porte. Allez hop, qu'est-ce qu'on fait? On met la chaise, évidemment. Salut les Tchécoslovaques. Alors ça, c'est Nyctaras, hein. Ça, c'est pas Eve. C'est pas Eve parce qu'Eve, elle sait même pas que c'est un pays. La Tchécoslovaquie. Ça, ça doit être son mari. C'est son mari, ça. On appuie sur le bouton? Comment je fais pour appuyer sur le bouton? Ah, comme ça. Ravi de retourner dans cet univers. Parfait. Moi aussi. Ça me fait plaisir. Tiens, le chien va te dire bonsoir. Pour la peine. Le chien a changé un petit peu de... Il a envie de s'exprimer, mais un petit peu plus près de la caméra. Il m'a fait la remarque, il m'a dit, toi, bien souvent, quand t'as un truc à dire un petit peu précis, un petit peu fin, tu fais ça. Et moi aussi, j'ai envie de faire ça. Donc, au début, j'ai dit non, et puis vous savez ce que c'est. Après, j'ai dit oui. Donc là, on a appuyé une fois sur le bouton et on voit des enfants dormir.
Je rappuie. Maintenant, on voit nos petits amis, enfin un de nos petits amis, enfin on sait pas si c'est nos petits amis, hein. Avec c'est des petits pyramidèdes. Ils sont en train de bouiner, hein, voilà. Là, il y a un espèce de... votre gros monsieur, hein, voilà. Qui est dans sa... qui est dans la réserve. C'est une sorte de télévision de l'an 2000, quoi. Là, il y a un escalier. Là, il y a un collectible, vous voyez. Deux choses. J'ai vu une petite vidéo d'un quart d'heure très instructive sur le background narratif de Visage. Je te la conseille. Ah, il faudra que tu m'envoies le lien. Puis, qu'est-ce que tu peux me dire sur le jeu Bloodborne? J'attends avec impatience son arrivée sur Steam en 2021. Alors, déjà, pour répondre à ton message, hein, je vais faire un peu mon SAV. Je te conseille de m'envoyer sur Instagram le lien de ta petite vidéo, parce que ça m'intéresse, évidemment. Et concernant Bloodborne, c'est un des rares jeux que j'ai fini une première fois, que j'ai terminé une seconde fois à la suite, et que j'ai entamé une troisième fois. Bon, là, je me suis arrêté. Je suis très fan. C'est génial. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est génial. Alors, te spoil rien, lance-toi dans l'aventure. Même si tu comprends rien au début, force-toi, surtout, force-toi. Et puis, tu vas devenir fan. C'est génial, c'est mon jeu favori. J'ai deux t-shirts Bloodborne, tu te rends compte? Ça, à mon âge, à 41 ans, c'est pas un signe qu'il y a un problème. C'est pas un signe que j'ai aimé. Ça a l'air chouette, ta vidéo sur le BKG de Visage. Faudra faire tourner le lien, oui. Faut faire tourner le lien, hein. Regardez, le petit bonhomme, il est revenu. Non, non, je te conseille Bloodborne. Moi, j'avais commencé par Dark Souls. On me l'avait conseillé. Et puis, comme j'étais un peu idiot, j'avais pas compris. Je comprenais pas, on me disait pas où aller. Bon, j'avais laissé tomber sur PlayStation 3. Et puis, des années après, Bloodborne est sorti. Tout le monde en disait du bien. Donc, je l'ai fait. Et puis là, ça a été la révélation. Et une fois que j'ai eu cette révélation, j'ai compris en fait ce que le jeu attendait de moi. C'est-à-dire d'être patient et de bien jouer. Je me suis remis sur Dark Souls. Et là, je suis devenu fan de Dark Souls. Donc du coup, j'enchaînais avec Dark Souls 2, Dark Souls 3. En plus, le 3 sortait à ce moment-là. Donc je me suis fait Bloodborne, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 dans la foulée. Et bien sûr, après Sekiro. Allez, coquin. Pourquoi tu veux pas t'accrocher? Ah, parce que j'appuie pas sur le bon bouton? C'est pas une raison. Il lève les mains et... what the fuck? Ah, voilà. Alors, l'épisode d'Alt 236 sur Dark Souls est très bon. Ouais, ouais, excellent. J'aime beaucoup Alt 236. Il fait un autre épisode sur Bloodborne aussi. Oui, oui. Malheureusement, je te conseille pas de les regarder parce que tu vas te faire spoiler. Ils sont superbes. Moi, j'ai adoré pouvoir les regarder parce que j'avais fait le jeu. Mais... Ne te spoil pas, tu vas te ruiner ton expérience vidéoludique. Tu vas adorer la vidéo, mais du coup, après, le jeu n'aura pas la même saveur. Même saveur. Il y a des moments... c'est comme il y a le podcast que j'aime beaucoup... le nom va me revenir. Et il parle des jeux, mais il parle des jeux vidéo, mais il parle de tout le jeu vidéo. Il spoil tout, quoi. Alors, c'est génial quand t'as déjà fait le jeu. Parce qu'ils ont une bonne maîtrise de... Je me trompe encore de touche, hein, c'est fou. Hein. C'est avec Exerve. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un spécialiste de Dark Souls, d'ailleurs. Et fin du game, ça s'appelle, voilà. C'est un super podcast, mais par contre, faut avoir fait les jeux. Si tu les as pas fait, bah tu peux les écouter, mais ça te spoil tout, c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce que je fais là? C'est ça, je vais pas regarder le making-of avant le film, j'attends sa parution sur Steam alors. Revenons dans Little Nightmare. Vous croyez que je peux l'attraper d'ici? Mais absolument pas. Ouh, je me suis même fait du mal. Non, c'est malheureux, voilà, là je parlais du podcast parce que du coup il y a des moments j'ai envie d'écouter le podcast, là, fin du game, mais je m'interdis parce que j'ai envie de faire le jeu, avant. Là je suis en train de prendre la petite valise mais je sais pas trop pourquoi.
Est-ce qu'on peut monter ici? Non. Vraiment, j'ai un souci de perspective. Plus que dans le premier. Que dans le second. Voilà. Ah bah bravo. On découvre quelqu'un qui est pendu. Ça fait plaisir. J'avais un ami... Ah bah tiens, bah bravo. J'avais un ami qui a découvert sa grand-mère comme ça, pendue, dans le jardin. Il rentrait comme ça, sort de l'école. Il était assez jeune. Il est au pommier, là, où... Enfin, je dis le pommier, c'est pour romancer un peu l'histoire. Il fallait simplement pousser, qu'est-ce que je suis idiot. Il est rentré comme ça, sort de l'école, ou je sais pas quoi, de caisse. Et ben sa grand-mère était pendue. Donc d'accord, la clé va nous servir ici. Ce qui est triste, c'est que lui-même après s'est pendu. Pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je raconte ça, alors que c'est vrai. Ça m'y fait penser. Qu'est-ce que vous m'avez marqué comme saloperie? Chose amusante, quand j'avais 14 ans, j'écrivais des nouvelles que j'avais compilées dans des recueils sobrement appelés Petits cauchemars si j'avais su. Effectivement, c'est amusant. Et tu les as toujours? Tu les as gardés? Attendez, attendez. Parce que là, je parle, mais on n'avance pas. Je pense qu'il faut monter sur le lavabo et puis après, attraper les tiroirs. Oh, mais non. Ça me paraît bien loin. Voilà, attendez. Il y a un truc essentiel que j'ai complètement zappé, que je suis complètement con. Mais oui, il faut juste prendre la valise et puis le... Romain, des fois, il est un peu con-con. Hein. Vous, vous avez pas le droit de le dire. Mais moi, j'ai un peu le droit de le constater. Romain, il est un peu con-con. Regardez, c'était tellement évident. On a fini le 2 et on sait même pas faire... Ah, j'ai cru que ça allait pas le faire. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Et toute cette joyeuse histoire partie d'une paire de pantalons suspendus au fil. Et tu crois que c'est juste une paire de pantalons? Moi, je crois que c'est un mec qui est pendu. Nope, il y a eu un gros formatage de tout ça. Que de souvenirs. C'est dommage que tu ne les aies plus. Non, si vous voulez, je galère là un petit peu avec les contrôles. C'est parce que la touche R1, maintenant, c'est la touche R2. C'est tout bête, mais quand on a, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a joué pendant des heures, comme là encore, j'ai relâché. Quand on a joué pendant des heures avec une touche, c'est très difficile de... Bah le cerveau est habitué, hein. Le cerveau. Il s'habitue. Il s'habitue et... Après, il comprend pas. Allez hop, on prend la clé. Alors ma femme, ce qu'elle aime bien faire, parce que je l'ai regardé jouer, elle fait ça, elle prend les bouteilles. Et avant de prendre la clé, elle casse tout. Elle a 30 ans, hein. Bon bah je fais pareil. Ça sert à rien. Mais... Et elle le fait à chaque fois. Hop là. Eh ben bravo. J'ai réussi à mettre la clé là où c'est impossible. J'ai réussi à mettre la clé là où c'était impossible. Remarquable. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Je vous lis, hein, je vous lis. Vous inquiétez pas, je vous lis. Surtout que là, j'ai le chat en gros, hein. Donc là, je peux rien louper. Hein. Si je loupe, si un jour je vous dis que j'ai pas vu votre message, c'est que j'aurais menti. Voilà, ça c'est dit. Ah, on a trouvé un petit... Vous savez ces petits jouets là, très agaçants. Petit singe là qui fait du... De la cymbale. Et voilà. Bon, il nous aurait aidé. Ta femme a un gros souci psychologique. Je ne l'inviterai jamais à l'apéro. Elle boit pas d'alcool. Elle est comme moi. Donc de toute façon, on serait jamais venu. On serait jamais venu. Là, on peut... Ah, je viens de découvrir quelque chose. Lorsque je veux aller dans un endroit, j'ai pas besoin de me baisser avant, il le fait. Ouais, il le fait de lui-même. Alors ça se trouve, c'était pareil dans le 2, à chaque fois je me faisais chier. Qu'est-ce qu'on entend? J'ai la manette qui vibre vraiment beaucoup là. Bah faut reprendre le petit singe.
Tout simplement, il est où? T'es là. Non, mais ce n'est pas parce que tu ne bois pas d'alcool qu'il faut balancer toutes les bouteilles par terre. Non, 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 elle aime bien détruire. C'est comme ça, hein. Elle aime bien détruire. Forme de nihilisme comme ça qu'a dû la prendre. Ça a dû commencer à l'adolescence. Moi, je l'ai pas connu à l'adolescence. Comme vous disiez très justement, là, j'avais lu sur une VOD, quand moi, je suis... Quand j'avais 11 ans, elle était pas encore née. Donc, j'ai... Après, j'ai pas suivi ce qui s'est passé. On a encore faim. Nihilisme de Clodo, dis donc. On parle de ma femme, là, quand même. Oula. Ah, vous avez vu le souci du détail? J'ai le Zippo, et si je passe devant l'aération, la flamme s'éteint. Ça j'apprécie grandement. Ça, c'est grandement apprécié. Ah oui, non, mais j'ai drôlement faim. Elle est chaotique. Exactement. Allez. Petite save. Bravo. Non, non, ça va pas du tout, il a faim, là. Alors, est-ce qu'on va retrouver quelqu'un qui va nous redonner sa pitance? On va pas mourir là, comme un rat. Allez, traîne-toi encore sur quelques mètres, je suis sûr qu'il y a un bouffé. Là, il y a un rat. On va pas manger le rat, quand même. Oh! Regardez. Là, il y a de la nourriture. On n'a pas le choix, on est obligé. J'aimerais bien vous y voir. Vous jugez là sur le chat, mais j'aimerais bien vous y voir à sa place, à la place de Billy. Vous feriez la même chose. C'est un piège. C'est un piège. Faut dire les choses, c'est un piège. Excusez-moi, j'avais absolument besoin de fumer, j'avais besoin absolument de nicotine dans mon sang. Allez là, allez là. On va se libérer, moi je vous le dis. On va pas rester là. Il va pas l'ombra, il va pas nous laisser captifs longtemps. Par contre lui, on pourrait peut-être le sauver. Ah non, on déplace toute la cage, on peut pas ouvrir la petite porte. Bah il va nous aider quand même, hein. Désolé, boy. On va se servir de toi. Hein. Malheureux. On va le mettre juste en dessous. Et vous voyez, là, par exemple, par rapport à la perspective, c'est pareil. C'est pas évident. Hein. Bon, normalement, on est en dessous, là. Eh ben, pas du tout. Ah, là, c'est bon. Mais il y a plein d'autres. Regardez à gauche. Il y en a plein. Il y en a un autre et deux autres qui sont enfermés. Bon, là, je me dépêche. Hein? Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que... Quoi? Pourquoi? J'ai pas été assez rapide? Vous pensez que j'ai pas été assez rapide? Use... Ah! To swing et machin to jump. Bravo. J'aurais peut-être pensé, mais pas tout de suite. Voilà. Le jeu m'a aidé, il avait vu que j'étais un petit peu naze. Il s'est dit, lui, c'est un naze. Ça doit être en français. On va quand même lui indiquer en anglais. Peut-être qu'il va comprendre. Là, par contre, on peut pas pousser la porte. Hein. Yep. On peut peut-être monter, là. Oui. Alors là, c'est pareil, on a eu de la chance. Hein, parce que, me connaissant, on aurait pu tourner en rond pendant 15 ans. Hop là. Bon, je pense que la petite bougie, on peut l'allumer. Hein? C'est pas insensé d'y penser. Ah, vous êtes absorbé par le jeu, là. Ça cause beaucoup moins, là, maintenant, hein.
Alors c'est peut-être l'histoire de mon ami qui s'est pendu qui vous a refroidi, c'est possible aussi. C'est possible. Que je pense avoir des anecdotes plus fraîches. Ou alors de pas avoir d'amis morts. Tout simplement. Faudrait que j'évite d'avoir des amis morts. On va y aller tout doux là. Papa Lombra. Non, non, Papa Lombra, tu nous as pas vus. Oh putain, on peut passer par là. Non, on meurt pas, s'il te plaît. Rage. Je voulais tellement bien faire. Il est horrible, lui, avec ses petites jambes et ses longs bras. Les amis morts, ça donne quand même des anecdotes originales. Exactement. D'ailleurs, il serait là, il serait ravi de savoir que je parle de lui. Évidemment. D'ailleurs, pour la petite histoire, je le connaissais quand j'avais quoi, 17-18 ans. Il venait souvent chez moi, on buvait beaucoup d'alcool. Et il me parlait tout le temps d'un ami à lui. Ah, qui est peut-être mort aussi, j'en sais rien. Non, non, je pense pas. Mais il me parlait tout le temps d'un ami à lui qui s'appelait Virgile. Et du coup, j'ai gardé le nom, je trouvais ça classe comme prénom, Virgile. Donc du coup, c'est le prénom que j'ai donné à mon enfant. Vous voyez, comme quoi, tout... Non. Ah mon dieu. Ça va pas se passer comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Ça t'agace pas, toi? Même le chien est agacé aussi. J'ai connu un Virgile Covin, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Lui, il a préféré avoir des bras de 9 mètres plutôt que des dents en bois. Oui, c'est les jambes en mousse et les dents en bois, hein, c'est ça? Et le nom t'est resté. Bah oui, mais ça reste. Regarde, il va s'appeler Virgile R. Martin. Ah, ça va. Tout de suite, son avenir est tracé. Là. On voit le docteur, on voit le médecin, on voit l'avocat. Virgile R. Martin. Chérie, cet après-midi, j'avais rendez-vous avec Virgile R. Martin. Merde. Ah bah ta femme, tout de suite, elle te fait confiance. Elle sait bien que t'étais pas en train de faire des bêtises. T'étais forcément avec quelqu'un de bien. C'est ce qui a motivé ma décision. C'est quoi l'origine du nom de Virgile? Bah Virgile, c'était un poète. Virgile, c'était un poète. Et la signification exacte, exacte, de Virgile, ça veut dire petite branche souple. Donc ça va être quelqu'un qui va savoir s'adapter, je pense. Pas comme moi. C'est pour ça que je l'appelais comme ça. J'ai du mal à m'adapter, moi. Ouh là là, j'ai du mal à m'adapter, si vous saviez. Qu'est-ce qu'on peut faire, là? Oula, oula. Il est aveugle, hein, en fait. Il est aveugle ou il est sourd? Là, j'arrête de bouger. Ah bah, il va mettre sa main exactement où je suis, comme par hasard. Non. C'est bon. Oula, oula. Mais non, mais oh là là, et c'est tendu. Si je peux pas bouger... T'es trop sec, toi. Une vraie branche morte. Oh non, mais attendez, là on s'est fait avoir parce que j'étais en train de lire Nick Taras. C'est encore de sa faute. C'est encore de sa faute. Bon. Papa Lombra, là. Je l'appelle Papa Lombra parce que ma femme regarde un dessin animé complètement vieux que ça s'appelle Daddy Longlegs. C'est un truc japonais insupportable. Et moi, je l'entends regarder ça et elle le regarde en japonais. Non pas que j'aime pas les choses en japonais, j'adore ça. Mais là, les voix, les doublages sont impossibles. Hein. C'est infernal. Et ça s'appelle Daddy Longlegs. Et lui, il fait penser à Papa Lombra. Ma femme vient me faire remarquer que dès que je... parle, tu n'avances plus dans ta progression. Oui. Bah oui, parce que tu me fais digresser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'essaye de comprendre. Attendez. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes d'accord qu'il faut passer dans... On va être patient. On va être patient. Regardez, hop, je fume un petit coup même.
Ah, c'est le plancher qui craque. Ah là, il y avait ces planches-là qui craquaient, bordel de Dieu. Pardon si je suis un peu vulgaire, mais c'est vrai que c'était agaçant. On va le laisser repasser. J'avais pas fait attention. Les planches craquaient. Eh merde. Mais c'est bon. Eh merde, et non, c'est pas bon. Oh mon dieu. Qui c'est qui est mort 50 fois? Hein, à la suite, là? Alors que c'est le début du jeu? Remarquable. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Vous avez du courage. Vous êtes gâté, mais vous êtes courageux quand même. Des fois, je me le dis. Faut qu'on évite les petites planches qui craquent. Donc celle-ci. Faut grimper sur les caisses à gauche et t'accrocher, non? Attendez, vous avez vu la téléportation dans sa main, là? Ça a bugué. C'est pas possible, ça n'arrive qu'à moi. Faut grimper sur les caisses à gauche et t'accrocher, non? Je ne sais pas, je vais essayer. Vous avez vu, là-haut? Ah, c'est pas où on vient, pardon. Ils ont mis du petit tapis doux. Le petit tapis doux, c'est pour courir dessus. Vous avez peut-être raison, hein. Enfin, tu as peut-être raison. Je vais tenter. Ouais, mais il bougera pas, hein. Non, non, il m'entend dès que j'arrive. Donc, dès qu'il m'entend... Bah voilà, il m'entend à chaque fois. Oh là là, mon dieu. Pourquoi donc? Pourquoi donc est-ce si difficile alors que j'ai terminé le deuxième opus? En le voyant lui, je me dis qu'il ne faut pas que j'enfile ma casquette trop sur les oreilles. Oui. C'est mieux. Bon, je bouge pas, j'ai pas besoin de me... Oh, mais j'ai pas de bol. Non, mais et si vous avez une idée, n'hésitez pas. On peut pas s'accrocher ici. On peut pas. On peut pas. En plus, c'est son petit plan de travail. Qu'est-ce qu'il y a le jeu à bugger? Non, ça met juste un petit peu plus de temps parce qu'il réfléchissait s'il me tue maintenant ou plus tard. Il savait pour. On peut pas lui balancer un truc, ça serait pas bête ça. Ça serait pas idiot. Pour histoire de le distraire. Non, parce que la planche, elle, de toute façon, si j'y vais en marchant doucement, elle craque. Si je saute, elle craque. Donc choisis ton camp, camarade. Vous voyez? Ah, merci ma chérie. Bravo Little Nightmares 1. On est bien d'accord qu'il faut attendre qu'il se casse, là. Là, je vais dans la cage. Il veut pas sauter. Je vais pas faire de bruit. Je vais attendre qu'il se casse. Mon instinct me dit que les crochets sont là pour une raison. Alors après j'ai peut-être tort. Ah oui, t'as raison. T'as raison, je les avais même pas vus. C'est toujours ce souci, c'est ma grosse télé. Je vois pas les choses. Parce qu'une fois qu'on va être... Bah non, regarde, la sortie elle est là. On peut y arriver sans. On peut y arriver sans. Moi je vais faire la technique speedrun. On va attendre qu'il soit bien loin. Voyez? Voilà. Ah, il fait la petite glissade. Mais je pense que t'avais raison, fallait prendre les crochets. Bon, on l'a fait sans.
Allez, mon pépère. Allez, Bibli. On va progresser un peu, là. On a perdu assez de temps. Avec tout ce rafut, ça le fait pas le faire venir, assis. Hop là. Ah oui, quand même. Alors, quand je fais grincer une toute petite planche de bois, toute petite, il entend tout bien. Alors, par contre, je manivelle à fond la caisse. Tiens, bah, qui c'est qui balance ses grolls? Dis donc. Je manivelle à fond. Là, il met 15 ans à s'en rendre compte. Ah, vous dites tous bonjour à Samus. Ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir. Plaisir aux chiens, ça fait plaisir à toute la communauté. Là, vous savez, on partage des choses. On s'en souviendra dans 10 ans. Hein. Quelque part, je fais partie de votre vie maintenant. Ah bah c'est... oui. Bah là, il y a de la grolle. Ça, alors là, si vous ne voyez pas la référence à Auschwitz, hein, ça c'est une certitude. Hein. Là, les développeurs y ont pensé. Hein. Allez, on reste sur la petite... Voilà. Ça, c'est une certitude. Parce que le jeu est une dénonciation de l'absurdité, de l'existence, la cruauté des gens, la cruauté des choses. Donc, évidemment, que là, il y a un petit message. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Peut-être que je raconte que des conneries. Mais ça m'y fait penser drôlement. Et si ça m'y fait penser... Non, là, j'ai fait n'importe quoi. Ah, peut-être pas. Je vais peut-être avoir le temps. Oui. Mais c'était Just. Ah, la porte s'est refermée derrière moi. Mais le rat mort, c'est d'où on vient? Oula, oula, papa, longue jambe. Allez, 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 allez. Oh mon dieu, là ça sent Valérie Le Mercier. Hein. Ça sent Valérie Le Mercier si j'y arrive du premier coup. On va se mettre là vite fait. Il y a un trémor dans les godasses. On en avait déjà discuté ensemble, je crois. Hein. Excellent film. Le premier, du moins. Ah, on prend l'ascenseur avec Papa Longue Jambe. Oh, il va pas nous trouver, là. Oh là, oh là, oh là. On n'est pas là. Par contre, je crois que le 2 et le 3 étaient beaucoup moins bons. Hein. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais, j'ai... Ah, il a été... il a été distrait par nos petits amis. Moi, ouais, j'aurais pas dire de bêtises. Je crois que le 2 et le 3, Tremors 2 et 3, étaient quand même moins bien réussis. Alors, est-ce que nos petits amis l'ont fait à dessein pour nous aider ou pas du tout? Je vois rien ici. Là, il y a une planche qui m'a l'air bizarre. Ah, celle-là aussi m'a l'air bizarre. On va pousser la caisse. Il a une vraie bonne gueule de cénobite, en tout cas, ce croque-mitaine. Oui, oui, il est très très réussi. Il me fait penser à la série des figurines de Clive Barker dans les années 2000. Oui, je les ai. J'en ai quelques-unes. Ça s'appelait les Tortured Souls, je crois. Il m'en reste quelques-unes. Alors, il veut bien pousser, mais pas trop. Non, non, faut pousser. Attendez. Attendez, 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 attendez. C'est une affaire qui roule, ça. Non, il veut plus. Non, bah, c'était bon. Voilà. Tout simplement. Il est là, hein. Mon Dieu qu'il est laid. Mon Dieu, mais... vous faites jouer ça à des enfants, les enfants ont peur. Le faites pas. Moi, mon gamin, il aura pas le droit. Hein. Déjà, bon, avec ma femme, on s'est mis d'accord. Le gamin, il aura pas le droit de regarder un écran avant au moins 4-5 ans. Hein. On va essayer. En 2000, Léa avait 5 ans. 9. À moi, en 2000...
Bah, j'avais 20 ans. C'est terrible. J'avais 20 ans. Ah, il y a un petit collectible. Vous l'aviez vu, vous alliez pas me le dire, hein? Je sais pas, c'est votre petit plaisir de voir que je peux louper les choses. C'est curieux ça, hein, vous d'être malfaisant à ce point. Vous alliez rien me dire. Bon, c'est peut-être pas par là qu'il fallait aller. Paraît curieux. Je rallume mon petit bricouze. Bon, bah là c'est là d'où on vient donc. Allez. Allez, 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 Coco. Allez, mon petit pote. Allez, Billy. Bon, on peut monter ici, je suis bête. Oula, 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 oula. On va y aller. Moi j'ai la manette qui vibre hein, quand mon cœur s'emballe. Donc j'entends quand il m'en veut. En 2000, Samus avait 10 ans. Et Ève, elle avait quel âge? Hein? Maintenant qu'on en y est à dire l'âge des femelles. Il faut dire tous les âges. J'ai bien envie de le jeter pour le feinter. Ça fonctionne, ça fonctionne. Mais merde, monte! Oh là 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 Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! Mon Dieu, mon Dieu! Ah, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai la main moite. Eve avait 15, on avait 15. Elle était déjà à point. C'est si élégamment dit. Elle était déjà à point. Alors ça c'est curieux ici. On dit, bah c'est une espèce d'horloge cassée. Oui voilà, en fait elle était accrochée et puis elle s'est détachée. La tête s'est restée accrochée. Un peu comme mon ami qui s'est pendu. Oh là, oh là, on est en train de faire du bazar. Qu'est-ce que c'est? Oup, op, 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 op. Mais pourquoi tu t'accroches pas, coquin? Oh là là! On n'est pas là, Daddy Longlegs. Ah, très bien. Très bien, c'est le moment. Il faut qu'on jette une godasse. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Avec la chance que j'ai, vous êtes... C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. C'est bon. Alors, est-ce qu'il a fait exprès de se pendre comme sa grand-mère? Ça, on sait pas. On lui a demandé, mais il nous a pas répondu. Ah, oh, ça va. On peut plus rigoler un petit peu? Non, on sait pas. En tout cas, ça nous a fait grande peine. Je pense qu'il y a un mélange des deux, hein. Il y a une petite mise en scène, hein. La pendaison, il y a quand même une mise en scène, hein. On dira ce qu'on voudra. C'est pas... Enfin, oui. Bon. On y va là. C'est bon.
Oh mais ça joue bien là. Là ça joue bien. Ça me fait plaisir pour vous. Vous êtes bien gâtés là ce soir. Oula, on va attendre un petit peu. Grande mise en scène, la pendaison. Regarde ce jeu, même les pianos se pendent. Mais c'est ça m'a fait penser à ça tout de suite. Non, puis bon, la mort n'est pas tabou. Hein. Enfin, pas sur ce stream en tout cas. Bon, il va falloir qu'on trouve une petite manivelle. Hein. Vous en êtes conscient? Il va falloir qu'on revienne ici. Ce genre d'humour. Ça te plaît, Léa? Bah, tant mieux. Tant mieux parce que je ne sais faire que ça. Si ça te plaît, il faut que tu me lises, hein, Léa. D'ailleurs, je comprends même pas que ça soit pas déjà fait. Hein. J'ai été voir les commandes. Il y a eu aucune commande dans ton patelin. Hein. À croire que tu souhaites pas me lire. Allez, jette ce cube. Ouh là 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 là. C'est bon, on est bien. On est bien. Sachez qu'il fut un temps, j'imagine, j'étais dans le funéraire et j'ai jamais autant ri avec mes collègues de toute ma vie. Ben oui. Moi, quand j'ai travaillé 5 ans dans la police, c'était toujours quand il y avait les histoires les plus graves qu'on rigole. Mais c'est humain, hein. c'est pour se sauver la vie, hein. Parce que sinon on devient fou. Comprenez? Dans les hôpitaux, c'est pareil. On est obligé, c'est pour décompresser. Bon, je lui balance tout ce que j'ai sous la main. Non, non, c'est vital. Les docteurs, tout ce qui est funéraire, la morgue. Les gens sont obligés de rigoler. Et plus c'est grave, plus on rigole. Vous avez vu comment je l'ai bien feinté là? Alors que moi j'ai bossé 15 ans dans le milieu postal et c'était pas ouf. Oui bah oui, effectivement là je peux comprendre. J'ai pas vu la manivelle hein. Ah par contre. Il va drôlement vite. On va se faire baiser. Oh putain. J'ai pas le pol. Hein. Enfin, je joue mal. Tu dois avoir des sacrées anecdotes quand même, Nick. Ah, dans la poste. Moi, dans la police, toutes les anecdotes, je les ai notées dans un carnet. Ça me servira peut-être un jour. Mais pour en revenir au funéraire... J'imagine très 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 bien l'ambiance. Évidemment. Je vous l'avais peut-être déjà dit sur ce stream, mais c'est toujours quand c'est interdit de rire que c'est le plus drôle. Souvenez-vous quand vous étiez en classe, c'est avec les profs les plus sévères qu'on rigole le plus. Bon, je suis d'avis de prendre un petit cube. Là, il y a une petite bougie. Hein. Je sais pas pourquoi je les allume. Mais je les allume. Mais merde! Oh pff. Ah là 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 là. Remarquable! Ça vous plaît? Oh. Oui, c'est moi qui l'ai fait! Faut que je me concentre. Vous me racontez vos vies et ça me déconcentre. Regardez, on recommence. On va aller... Déjà, on prend le cube. On le jette là-bas, celui-ci. On monte ici tout doucement. Là, on tombe pas comme un demeuré. Voilà, là c'est fait. On redescend par ici. On jette ça pour le feinter. Dites-moi si vous voyez le. Oh.
Si vous voyez la manivelle, pardon. Grave, c'est au moment où j'ai failli me taper un fouet en pleine cérémonie dans l'église. Ah oui, alors là, ça doit être tendu. Là, ça doit être tendu. Ah là, on peut monter. Hop, 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 on a eu du bol. On a trouvé la pièce. Attendez. Avant de faire n'importe quoi. Je ne t'ai jamais vu en fou rire, Léa. Ça doit donner une bonne tomate. Eve, dans sa vie d'avant, elle a vu Emmanuel Béard à poil et elle était folle. Elle était folle, pourquoi? J'ai pas compris. Encore une fois, hein, je lis, alors je prends tout au premier degré. Pourquoi elle était folle? Bon, il va venir là, papa Longlegs. Ah, c'est Emmanuel Béard qui était folle, oui, d'accord. Emmanuel Béard était folle, Estelle Lefebvre était sympa et nue aussi. Je comprends rien. Difficile de jouer, de comprendre. Emmanuel Béard était folle, Estelle Lefebvre était sympa et nue aussi. Pourquoi tu me parles d'Estelle Lefebvre? Elle faisait quoi, Léa, dans sa vie? Ce qu'elle faisait avant pour rencontrer des stars. Elle bossait dans la mode, elle était assistante styliste, elle habillait des mannequins. Ah, ma mère était styliste. C'est rigolo. Comment on y retourne? Bah, tout simplement comme ça. D'accord, très très bien. Hop. Hop. Et on tourne la manivelle. Mais lui, il va se ramener, hein. Faut qu'on se dépêche. On le fait pas en un coup, hein. On attend un peu. Voilà. Voilà, c'est bon. Allez, je peux vous lire. Ok, Léa, ne viens pas en tirant la gueule comme d'habitude. Ah oui, voilà, j'ai compris maintenant. Challenge pour ma prochaine visite, faites-moi rire, ok. Je vous merdois et rentre en mon logis. Vous vous voyez souvent? Bon, là, on peut pas passer, hein, on est d'accord. Il y a de la petite vapeur. C'est pas possible. On va tirer le chariot. Si Billy veut bien. De temps en temps, quelques fois par an. Oui, parce que vous habitez pas au même endroit, si j'ai bien compris. Toi, aujourd'hui, tu m'as dit où tu habitais. J'ai oublié le nom, mais j'ai retenu que c'était... Enfin, si je le relis, j'ai retenu, quoi. Mais Léa, elle habite pas près de chez vous, c'est ça que je veux dire. Non, il fallait tout simplement reprendre le chariot. Voilà. Et on va monter sur le chariot. Merde, non. Allez, viens. La maniabilité est un tout petit peu en deçà de l'Opus 2. Voilà. Fallait que je vous le dise. Un tout petit peu. Non. Ah bah là, curieusement, le chariot s'est remis tout seul. Il m'a aidé. Il m'a dit, bon, lui, il n'y arrive pas. Ouh, ouh, ouh. Oh là, je sens qu'il va falloir courir ici. Nous, dans le Pays Basque. Picardie. Ah bah voilà, oui, voilà. Mais c'est très bien ça, le Pays Basque. La Picardie aussi. Ça fait plaisir. Bon, ça fait quoi? Ça fait 12 ans que j'habite à Paris. 11 ans. La Normandie me manque, hein, vous savez. Mais bon. Pour le travail, c'est mieux d'être à Paris. Allez, allume la petite bougie. Non?
Voilà, très bien. Bravo. Oula, 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 oula. J'ai failli me faire avoir, j'étais en train de regarder le chat. Le travail à Paris, c'est pour une réflexion 20e siècle, ça? Non, 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 non. C'est pour la réalité. Ne serait-ce que, par exemple, j'étais réserviste de la police nationale pendant 5 ans. Bah, j'avais tout le temps du travail. Oula, allez, 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 allez. Et puis pour les salons du livre, quand t'habites à Paris, tu peux partir dans toutes les directions quand tu veux. Non, ça c'est dégueulasse. J'étais passé. Oh, on est en colère. Le chien est mort, on est en colère. Au final, je suis plus proche géographiquement de Romain que de Nicta. Genre, je suis une heure de Paname. Eh ben oui. Hop, je te lis, je meurs. Je ne te lirai plus. Je ne te lirai plus, je ne te lirai plus, je meurs. Voilà, là c'est bon. Hop, on monte. Oula, décidément, il a les bras très 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 longs. Descendant du livre en ce moment? Non, j'en ai un le 18, en Normandie. La cigogne noire. Festival du... Festival du roman policier. Avec... Il y a une 39 auteurs. Je vais vous lire, hein. Là je suis en plein gameplay. Ouais, le 18 avril et puis au mois de mai j'en ai un autre aussi. Attendez, attendez, attendez. Oh là là, oh là, oh là, oh là. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. On a du bol, on a du bol. Pourvu que ça dure. Comme disait la fesse. Ah putain! Je ne te lirai plus, je meurs. Romain R. Martin, 2021, lettre d'un angoissé. J'ai pas eu le temps de lire l'autre message. Prends la barre et pète-lui les crayons, on peut pas la prendre. C'est curieux, mais on peut pas. Non, non, je sais parce que j'ai vu ma femme se faire ce passage. Je suis passé devant la télé et j'ai vu faire. C'est pour ça que là, d'un coup, vous avez l'impression que je joue bien, mais c'est parce que... C'est qu'elle a galéré sur ce passage-là et je l'ai... À deux, on s'est dit, tiens, fais ça, fais ça, fais ça. Je m'en souviens, quoi. Parce que, autant te dire que la première fois, elle est mourue plusieurs fois, hein. Ah putain, et moi je vais mourir aussi. Alors, en fait, la maniabilité et les zones où on peut s'accrocher, c'est pas évident. C'est pas évident, évident. J'ai pas compris. Ah bah si on rentre dans un truc de coupe, c'est limite gênant. J'ai dû dire un truc qui était drôle et... T'as de la répartie, donc t'as dû dire un truc bien, mais j'ai pas... Je me souviens plus ce que j'ai dit. On a l'impression d'être dans votre salon, quoi. C'est ça. Allez, celui-là, je me souviens, fallait tirer. Alors peut-être que l'autre, fallait pousser. Je me souviens, elle est morte en boucle et il a fallu que je l'aide. Comme d'habitude, vous savez, les femmes, les femelles. Les femelles, faut besoin qu'on les aide. On le fait avec grand plaisir. En général, on le fait avec grand plaisir. Mais non, il me... Trois fois... Vous voyez bien qu'il y a des problèmes, vous voyez bien qu'il y a des problèmes. Trois fois il me chope pas et là après il décide de me trouver. Je suis resté au sol, hein. Et là regardez, il veut plus, hein.
Il veut plus le prendre, hein. C'est dramatique. Oh mon dieu, je te prends le jeu, je te casse en deux, moi. Je te casse en deux, le jeu. Allez, regardez. Là, c'est bon. Là, il va y avoir du bien joué, là. Oh mon dieu. Ça vous plaît? Oui, c'est moi qui l'ai fait. La cage, c'est Hoffman. Oui. C'est la cage à Hoffman. Non mais regardez, vous avez vu, il y a un petit temps de latence au moment où il prend le truc, il sait pas trop le jeu, s'il le fait, il le fait pas. Je vais rester au sol, je vais rester au sol. Je sais plus s'il faut que je pousse ou il faut que je tire. Ah c'est bon. Ah bah oui, pour ceux qui étaient pas... Pour ceux qui s'y attendaient pas, ça fait quelque chose, hein. Ah bah oui, voilà. On lui a coupé les bras. Ah voilà, on fait moi les malins maintenant, hein. On est un peu choqués. Ah mais vous saviez pas où vous nous mettiez les pieds en venant sur ce stream. Ah, on fait moi les malins là. Et oui, on lui a coupé les bras. Évidemment. Ils nous ont kikiné quand même depuis tout à l'heure. Ah, vous faisiez les malins, vous écriviez vos vies, puis là, d'un coup, ah, hein, l'éternel retour du concret. On lui a coupé les bras. Là, ça vous a réveillé un coup, là, j'en suis sûr. C'est con parce que ce qui faisait... Oui, c'est ce qui faisait sa particularité. On lui a enlevé sa particularité, là. Maintenant, c'est juste un petit mec avec une cavité très prononcée. Oui, un peu comme moi, quoi. Avec des petites jambes. Ça fait un petit peu comme moi, là, maintenant. Je me sens plus proche de lui. Non, mais c'est parce qu'on le reverra plus. C'est comme la maîtresse. C'est comme Monsieur Hernandez. Vous vous souvenez? Eh, moi, j'aimerais bien t'attraper, toi, petit crochet. Ah, bah, c'est là qu'on va l'attraper. Vous vous souvenez? Là, on s'enfuit, là. On change de zone. Là, ça va être joli. Là. Je le sens bien que ça va être joli. J'ai décidé de lâcher ici. Je me suis dit ici ou plus tard. Autant le faire là quand on a pied. Excuse-moi après de toute ta minorité. Prenez l'échec. On prend surtout PayPal. J'ai encore faim. J'ai encore faim. Alors qu'est-ce qu'on va manger, de la merde là? Ça y est, on y en est. Parce que c'est de pis en pis. On a commencé par que l'autre nous file les restes de son repas. Après on a bouffé un rat mort. Et là qu'est-ce qu'on va manger? On va manger notre merde. Ah bah oui, là, on se sent mal. Ah bah oui, on se sent mal. Il lui faut pas grand-chose, hein, pour... Oh mais oui, on va manger un rat mort. Vous entendez la petite mélodie, là? Allez, viens là, le rat. Ah, ça rigole pas, hein. Hein, Billy, on commence à comprendre pourquoi c'est un ancien légionnaire. Vous vous souvenez, dans la partie 2, je l'avais appelé comme ça. On trouvait qu'il était très apte à détruire les autres. Eh ben, on commence à comprendre. La musique est super, hein. Je sais pas si vous l'entendez assez, mais moi, je la trouve très très bien. Je sais pas pourquoi je fais ça. Y a pas besoin, c'est pas électrifié par terre. Faut pousser ça. Mais oui, on joue le petit Billy. On va connaître son background. On joue le petit Billy. C'est une des raisons principales.
Bon, l'autre raison, c'était pour faire plaisir à ta femme. Faut dire les choses. Il y avait trois raisons. Il y avait pour faire plaisir à Eve. Il y avait pour connaître le background, le lore de Billy. Il y a du sang, là. Et l'autre, c'est parce que Rule of Rose, à 600 euros, bah, c'est quand même drôlement chiant. Hein? Il serait pas un petit peu chiant, Rule of Rose? Un petit peu, hein. Il est très bien. Oh là! Bah dis donc, j'ai trouvé sans vouloir. En disant du mal. Hein, Rule of Rose, il est très bien. Vous m'avez compris. Allez hop, un petit collective. Eh ben c'est déjà allumé ici. C'est une sorte de culte. Qu'est-ce que c'est que cette secte là, hein? Attention, hein. Moi je vous dénonce à Emmanuel Valls. Qu'est-ce que vous faites là ici? C'est quoi là? Vous prêchez le vieux pan? Hein? On reviendra, hein. Il y avait une lettre avec une espèce de longue dame, ça faisait penser un peu dans The Ring, oui. Ah bah on est revenu là. Ça servait à quoi alors qu'on vienne là? Ah bah juste à trouver le collectible, fallait juste pousser la porte. Bon bah très bien. Attention au blasphème, Rule of Rose doit être un truc culte dont il ne faut pas dire du mal, comme Dissection, Star Wars ou la Tartiflette. Bah j'en suis sûr. Non non mais j'aime beaucoup hein. Mais c'est pas forcément un jeu à streamer, c'est vraiment très 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 laborieux. Merde, je l'avais eu du premier coup, j'ai lâché la gâchette. C'est vraiment un très très bon jeu. En plus, en 2006, personne n'osait prendre ce risque. Hein, c'est quand même un jeu d'auteur, on va dire. Mais bon, faut quand même avouer que à streamer, c'est très fastidieux. C'est chiant, quoi. Quoi, il faut que je le repousse, là? Vous avez vu, ça tangue, on est sur un bateau, c'est quoi? Quoi, cette histoire? Allez, allez, non, 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 je veux pas faire plus. Ça m'allait très bien. Non, non, je veux pas faire plus, j'ai dit. Voilà, c'est bon. Non, Rule of Rose, bah, le souci, c'est que, voilà, la carte, la caméra, la maniabilité du personnage, ça va encore, mais on se paume, on... C'est un jeu qui prend des heures, et bon, à streamer, c'est un petit peu chiant, voilà. Un peu fatigant. Ah! Voilà un nouveau croque-mitaine. Monsieur Bidoche. C'est Monsieur Bidoche. Il est drôlement beau. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Léa, Eve, hein? Je suis sûr que vous lui trouvez un petit charme. Hein? Je me trompe? Me trompais-je? Me trompe-je? Il a... Hein, il a son petit charme à lui. Au moins, il a son petit charme à lui, voilà. Monsieur Bidoche. Ah, mes petits amis encore. Mais où vous allez, là? Ils sont timides. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas moi, monsieur Bidoche. C'est eux, c'est les gars, c'est les petits. Oh là, je l'ai bien eu. Est-ce qu'on aura le temps? Évidemment que non. Mais on sait qu'il faut une clé maintenant. On se cache là. Oh là 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 là, il a un regard hypnotisant. Hein. Tu vois, t'es tombé sous son charme, Léa. T'as réussi à trouver du boulot alors? Amanda, comment vas-tu? Vieux de sac de viande. Tu nous mets des petits guillemets, tu parles de qui? Non, ah oui, tu parles de... C'est moi qui lis en retard encore. Bon, faut qu'on trouve la clé. Hein. Bidoche, il est reparti par là. Nous, on va aller inspecter là un petit peu tout ça. On peut ouvrir un peu ces fourneaux, non? On peut passer là? Non, on peut juste se cacher. Dites-moi si vous voyez la clé. Hein. Amanda, la grosse oui de Rule of Rose, voilà, c'est ça. C'est bien ce que j'avais compris alors. Mais merde, à chaque fois je fais du bruit, qu'est-ce que je suis idiot? Hop là, petit slide. Moi j'aime bien quand il fait un petit tacle là, à la Thierry Henry. Allez, Bidoche. C'est bon, t'as rien entendu.
Ça restera entre nous, c'est notre petit secret que je suis dans ta cuisine. Et il se fait à manger, c'est du skill non négligeable. Exactement. Bon, on arrête de toucher les portes des fourneaux, hein. Ça fait bien trop de bruit. Mais même ça, ça fait du bruit. Là, il y a une tête de poisson. Il a son petit charme quand même. Moi, je le trouve assez beau. Comment on peut faire là? Il va partir tout seul, c'est scripté. Les tacs de Thierry Henry sont moins efficaces que ceux de Patrick Henry. Je suis en train d'essayer de me rappeler qui est Patrick Henry. Allez hop, on allume. Mais merde, non, non, je vais pas du tout ça, c'est pas moi, c'est Billy. Non, mais c'est moi, Billy. Ah, pardon, je vous ai fait rêver, vous étiez dit, ah, il va tout faire du premier coup. Mais vous savez bien que ça se passe pas comme ça sur cette chaîne. Vous savez bien que c'est en plus... Vous savez bien qu'on analyse le jeu, qu'on fait attention, on regarde le script. On n'est pas là que pour jouer. On est là aussi pour comprendre comment le jeu a été fait. Vous voulez vous voulez tout trop vite. Je vous l'ai déjà dit. Vous voulez le dessert alors que c'est l'entrée. J'ai passé mon temps à vous le dire une fois dans une VOD. Ah, Patrick Henry est un criminel. Mais j'ai pas la télé. Je ne connais pas. Ah, ah, là, on est en train de le rendre zinzin. Il savait... Hop. Allez, hop, on monte par ici. Cette fois, on se fait pas avoir. Je savais bien que j'avais lu son nom à Patrick Henry, mais... Allez. Je sais pas si j'ai bien fait, là. C'est bon. Il peut rien nous faire, là. Il a pas des longs bras comme Daddy Longlegs. Ah, il nous a vus, par contre, hein. Il nous regarde, il aimerait bien qu'on tombe. Ah, putain, on peut pas passer. La France a peur, Jikel, les années 70. Ça, c'est du nom de famille, ça. Jikel, j'adore. Eh, prends ça. Cuistot de merde. Ben là, ils nous mettent la musique qui fait peur, mais il peut pas nous attraper. Tout va bien, en fait. Tout va bien. Bon, faut qu'on trouve la clé par contre. Faut qu'on revienne. Allez hop. Et voilà. Oh, c'est une affaire qui roule ça. Ça fait plaisir, ça tourne bien. Il aime les vieilles émissions, Nika. La culture d'antan. Oui, bah moi aussi. Parce que c'était la nôtre. La culture d'antan, hein, j'entends. Allez, allez, allez. Allume-toi, petite bougie. Très bien. Hop là. Donc on se souvient, il faudra qu'on trouve une clé, qu'on redescende. Eh, hey, hey, dis donc, je t'ai vu. Bon, on le reverra plus tard. Mes chiottes sont roses. Eh ben, j'en suis ravi. Il faut que le monde le sache. Les chiottes de Léa sont roses. Bon, après, me demandez pas pourquoi elle a écrit ça. Hein. On peut pas tout lui demander. On peut pas avoir toutes les réponses. Alors, attendez, je vous lis. Ah, les chiottes de chez Léa. Toujours une... Ah oui, voilà, c'est pour ça que t'as écrit ça. Toujours une bonne ambiance. On fera notre petit truc à deux. On fait notre petit truc à deux. Ah bah d'accord. En se tenant la main. Même ma salle d'eau. Alors voilà, ma salle d'eau. Mes grands-parents sont de l'aube. Alors, une salle d'eau, c'est une salle de bain. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Moi, ça, je le sais. La salle d'eau. Ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de la salle d'eau. Ma grand-mère disait ça, hein, la salle d'eau. Bon, la clé est là. Par contre, c'est qui, là? C'est pas Bidoche? C'est qui, lui? J'ai pas bien regardé. Allez, hop.
Il faut que je me... Voilà. Allez, on se met sous le lit. Oh, j'ai bien joué, là. Oui, c'est Bidoche. Et alors, Bidoche... Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Non, 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 Bidoche. T'as pas autre chose à foutre que de nous attraper, de faire chier les petits gamins en kawaii jaune, là. Même sa sale dos est rose. Bah, c'est très girly, quoi. On peut quasiment dire que t'es d'origine féminine. Déjà, Léa, ça fait très femme, quand même. Hein? Tu serais pas d'origine féminine? Là, moi, ça me met la puce à l'oreille. Le rose, après le... comment on va revenir, d'ailleurs? On pourra revenir par là? Je regarde un truc, hein. Parce qu'une fois que j'ai la clé, qu'est-ce que je fais? Je prends l'ascenseur? Là, on peut plus repasser. J'adore ce genre de vieilles expressions. Je suis toujours en quête de nouvelles. Le français canadien est un trésor pour ça, oui. Fais glisser le gros sous la savonnette. Non, c'est juste du décor. La savonnette, c'est juste un élément. J'avoue, la salle d'eau, c'est grâce à toi, Nick. Je te l'ai piqué. Ah, voilà. Donc, c'est pas une expression ch'ti. Parce que je suis quand même. Je fais semblant de m'intéresser à vous, mais il y a des moments quand même, je retiens. Comme la gifle. J'ai retenu que c'était le visage. J'ai appris un truc. Bon. On recommence, mais... Mais je sais pas comment faire, hein. On va encore mourir, hein. Vous êtes au courant. Vous ferez pas les surpris, hein. Quand on sera mort. Je veux pas qu'il y en ait un qui fasse le surpris quand on va mourir, là. Hein. Tout le monde est au courant, hein. Là, il nous a pas vu, là. Mais il nous a pas vu! Il nous a pas vu! Ça m'agace. Le chien, ça l'agace aussi. Oh, mon Dieu. Bon, ça veut dire qu'il faut pas prendre la clé tout de suite. Hein, c'est ça, hein. J'essaye de comprendre. Faut pas prendre la clé tout de suite, faut se mettre sous le lit et puis après faut aviser quoi. Faut être patient avec ce jeu. Allez, j'essaye de le faire bien là, tout à l'heure c'était bien. Allez hop, là je vais sous le lit. Normalement il peut pas me voir là, vous êtes d'accord? Là je suis sous le lit. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Même si on avait le temps, le jeu part du principe qu'on n'a pas le temps d'aller sous le truc avec la clé. Bon, écoutez. Hein. Écoutez. On est obligé d'accepter. Par contre, comment on va faire là pour prendre l'ascenseur? On a le temps de rentrer dans l'ascenseur avec la clé? Je vais la poser là. Allez hop, petit coquin. Oui, on a le temps. Oh bah... C'est ric-rac. C'est ric-rac. On a encore nos petits potes, là. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est retourner... dans la cuisine de Bidoche. On va essayer de le faire en une fois, d'accord? On va essayer de réussir quelque chose en une fois. Comme ça, on... Et là, ça me fait peur, c'est les petites bottes de conserve. Je suis tenté de... Non, c'est bon. Il a affaire au fourneau, comme on dit. Il va se retourner, vous allez voir. Et puis là, je cours beaucoup moins vite. Hein. Oh, il m'a eu! Oh, remarquable. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Oh putain. Oh, c'est nerveux. Après c'est nerveux. Eh hey, regardez. La petite boule. Il y a quoi dedans? Ah mais il y en a un. Et qu'est-ce que tu veux? Viens là.
On l'a attrapé. On a réussi à l'attraper. Oh mais non, c'est pas moi, c'est le petit. C'est lui qui... C'est pas moi. C'est une sorte de collectif, les petits. On peut les, on peut les attraper. Cette petite boule de cuisseau, je suis in love. On va l'appeler Léon. Tu veux qu'on l'appelle Léon? Ah oh, mais pourquoi il doit remettre là? Ah non, mais c'est bon. La clé est là, ouais. Tout va bien. On peut l'appeler Léon. J'étais en train de réfléchir. On peut l'appeler Léon. Oh là, oh là, oh là, il arrive, il arrive. Vous savez quoi? Je vais me cacher ici. J'ai pas le temps de faire le malin. J'ai pas le temps de faire le malin. Il vient ou pas maintenant? Une fois qu'on est caché, bon, il se dit bon, c'est pas la peine. On peut l'appeler Léon, je suis toujours en train de réfléchir. On peut l'appeler Léon Bidoche. Moi j'aimais bien le nom de famille Bidoche. On fait un consensus. Non, j'ai pas envie de ramasser la clé avec le. Voilà, c'est bon. On va appeler Léon Bidoche pour faire plaisir à Léa. Allez hop. Comme ça sera pas dit que le chat participe pas. Barnabé, oui mais c'est trop tard. C'est trop tard. Barnabé Bidoche. Non, c'est trop tard. Tout est refusé. Il fallait le dire dès le début. C'est trop... Tout... Ça ne va pas. Je suis contre. Mais qu'est-ce que... Il est pas que charcutier, cet homme-là, hein? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas que charcutier, il coupe des sexes. C'est un homme qui coupe des sexes, ça. En fait, son métier principal, bon, il cuisine un peu. Mais son métier principal, c'est de couper des sexes. C'est ça. Mais... Oh, la perspective. On n'y rêvera jamais aux 50 followers avec cette perspective. Ah non, il coupe pas des sexes. Il fabrique des sexes. Regardez, je vais en fabriquer un. Pour vous montrer. Je vais en fabriquer un bien. Il veut pas que j'en fabrique d'autres? Pourquoi ça s'arrête? Moi je veux que ça continue. On peut pas repartir dans l'autre sens? Alors on recommence. Ah, il faut qu'on se sauve par ici. Je pense. Mais comment je peux attraper ce morceau de saucisse? Je vous assure que je peux pas faire plus. Regardez. Et dans l'autre sens? Non, il veut pas. Aidez-moi. Ah, faut peut-être passer par là. Allez! Ah, bravo! Mais alors, ça ne servait à rien. C'est rigolo, ça. On pouvait créer une petite saucisse pour rien, pour le plaisir. Comme disait Herbert Léonard. C'était juste pour le plaisir. Bon là on peut s'accrocher au crochet. Mais ça sert à rien. Ah si, parce qu'on a trouvé ça. Ça va nous servir. Ah j'ai compris, on va se faire une liane de saucisses. Vous avez vu, vous avez compris ? On va retourner où nous étions et on va se faire une liane de saucisses. Une chandelle.
Bon, c'était juste pour le plaisir, là, la petite bougie, et puis le... Ouais, faut que je remonte dans la, dans le truc, hein, c'est tout. Allez, c'est parti. C'est une affaire qui roule. Ah, vous allez voir, c'est ça. C'est facile. Moi, je roule sur le jeu, là, depuis le départ. Vous êtes prêts? Allez. On va se faire une guirlande de saucisses. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans l'autre sens? Ah non, il faut que j'ouvre d'abord. Il faut envoyer la bidoche d'abord. Allez. Voilà. Et voilà. Et voilà. Regardez-moi ça. Je suis pas un bon apprenti. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas assez? Dis donc. Putain, c'est pas assez. Il faut en mettre d'autres. Il n'y a pas assez de viande? Mais j'en ai... J'ai pas vu... J'ai pas vu qu'il y avait... Il y avait encore de la viande à mettre dedans? Un chapelet, oui, voilà. Ah putain, ne me dites pas que ce n'est pas un intestin mécanique, ce truc. Lien de saucisse. Ça me fait rire, lien de saucisse. Ça me fait penser à lien de folie. J'ai un copain qui s'appelle Yann. Et qui habite en Angleterre. Et qui est breton. Bah, cherchez pas à comprendre. Et je l'appelle toujours Yann Folie. Et là, toi, quand tu marques lien de saucisse, ça me fait penser. Mais on peut retrouver un autre morceau de viande, là? J'aime pas dire bidoche. Vulgaire. C'est pas joli dans ma bouche. Ah mais on va pas pouvoir... Oh là là. Ah là là là. Il y a des gens qui sont faits pour les jeux de plateforme, hein, c'est pas mon cas. Oh mon dieu. Je vous assure que je vous assure que j'essaye de faire de mon mieux. Je suis prêt à le jurer. Je me trompe dans les touches. Vous savez, c'est pas évident de jouer et de savoir que les gens vous regardent. Même après des heures et des heures. On se sent jugé. Ah voilà, faut le faire dans le... Oh putain, la perspective, la perspective. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut faire tomber un corps. Ah, t'as raison. Là, le... Mais... Attendez, je tente un... Pff, non, j'allais dire je tente un truc idiot. Du coup, on n'a même pas eu la tentative, on a eu que le truc idiot. Mais je vous assure, regardez, là j'appuie pour sauter, regardez ce qu'il fait. Vous êtes d'accord, c'est pas toujours que moi. C'est pas toujours que moi qui joue mal. C'est le jeu des fois qui est un petit peu spécial aussi, hein. Je vous assure. Mais et là je veux bien, mais... Regardez la perspective, je me rends même pas compte si la viande est en face de moi ou elle est plus à gauche ou plus à droite. Mais le crochet peut aller un peu en diagonale, donc je me dis que... Oh putain, en fait, non. Il n'y a plus de pile dans ta manette, mon bon ami. Mais ouais, mais... Je l'ai rechargé, alors c'est pas ça. Ou alors, on... Non, je peux pas m'y accrocher. Mais il y en a un morceau là, pourquoi vous me le dites pas, mon Dieu, mais... Vous êtes malfaisant, c'est terrible. Il est là, le morceau qu'il fallait mettre. On le voit en plus, il est très gros. Vous me le dites pas. C'est terrible. C'est pourquoi vous me le dites pas? Vous avez plaisir à voir que je galère? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Ça vous fait plaisir? Moi je vous assure que c'est pas... Ça me fait de la peine quoi. C'est pas tip top, comme disent les jeunes. Bon, là par contre, on va faire de la belle saucisse, un beau chapelet, ou alors une belle guirlande. Moi j'aime bien guirlande. Allez, vous êtes au courant que normalement ça se fait en 5 minutes, hein. Et nous on aura mis 3 heures. Allez, on va pas se louper.
Hop et hop. Et voilà. Ah, ça me fait plaisir. Bah, te voir galérer, ça allonge la durée de vie de ton stream. Oui, mais ça me fait perdre tous les followers. C'est le problème. C'est que j'ai du gros contenu, mais j'ai peu de regardants. Il y a peu de gens. Pour pas vous mentir, je vends plus de livres que j'ai de viewers, hein. Et quelque part, je préfère que ça soit dans ce sens-là. Parce que là, on est plus pour la détente. Elle est où la clé? C'est notre clé là, on est là. Oui, il y a une clé qui est par là. Entre un daltonien et un pirate, t'es pas aidé, mon pauvre. Oui. C'est ce que ma femme me disait. La clé serait là-dedans. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il va falloir sauter là. Oui. Non. Il veut pas. Bon, on est d'accord qu'à chaque fois qu'il y a eu une clé dans le jeu, à chaque fois elle était à l'autre bout, hein. Alors c'est là que le jeu va me donner tort. Ah, regardez-moi ça, heureusement que je regarde. Vous me dites rien. Non, vous avez plaisir. Excusez-moi, ça me pique l'oreille. Oh! Oh mais non. C'est injuste là. Là c'est injuste. Il y a des fois c'est ma faute, mais là c'est injuste. J'étais en train de me gratter l'oreille et le casque là pendant des heures. Bon, on sait que maintenant Léon va être là. Léon, t'as vu? J'ai retenu pour toi. Hein. On sait que Léon va être là. Donc on va aller se cacher tout de suite là. Non, 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 plus vite que ça. On se cache tout de suite ici. Allez, 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 Billy. Voilà, et Léon. Il va prendre sa caisse, voilà. Il est pas sûr de lui là. Il préfère tâter la marchandise avant. Ah, il était venu chercher du fromage. Il doit nous préparer quelque chose de très bon. Allez, on en profite. C'est bon. Et voilà. J'ai tous les messages de l'heure décalés. Il va revenir là, hein. Il faut qu'on se dépêche. Je dis ça et j'arrive pas. Mais accroche-toi, bordel de Dieu. Pardon. Voilà, le voilà, le voilà, le voilà. C'est bon, c'est bon, il nous a pas vu. Même dans la musique tout à l'heure, c'est bulleresque. Oui, oui, oui. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bon. Qu'est-ce qu'il va faire, Léon? Il va appuyer sur le bouton, il va bien nous aider un petit peu quand même. Il est quand même là pour... Voilà, très bien. Yeah. Quelque part, il nous aide en fait. C'est un ennemi, mais... Bon, vraiment. Allez, hop. Ah bah, il va nous voir, là. Faut qu'on passe derrière lui. Ah, vous êtes d'accord? Là, on est obligé de passer derrière lui. Oui, voilà. Ah, comme ça, ça nous permet d'avoir un petit apprentissage rapide de son travail. Ah, la clé est là, regardez. Alors là, pour la récupérer, ça va être sympathique. Je pense qu'il va falloir aller dans l'autre pièce et faire du bruit. Et aller chercher la clé. Genre là, ça. On va pousser ça. Allez! Dépêche-toi, petit coquin. Allez.
Allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bon là. Allez, c'est bon. Alors, faut qu'on se dépêche parce que lui, il reprend l'ascenseur. Hein. Mais là, c'est bon, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Allez, mets la clé. Voilà, c'est bien Billy. Et on pousse la porte. Magnifique! Magnifique! Ça vous plaît? Mais magnifique que dalle! Il va me tuer? Oh putain, mais je suis... Oh là 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 là! Remarquable! Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait! Exactement, c'est une de mes répliques favorites. Je t'ai dit, hein, je l'ai remontré à ma... Ah, j'ai plus la clé! Ah, ça, c'est dégueulasse. Non, ça, c'est pas sympa. De tout avoir à refaire, c'est vraiment chiant, ça. Donnez-moi de cette longue chose et molle. Puis j'adore la façon dont il le fait. J'ai mis pause et je l'ai repassé à ma femme. Parce qu'elle apprend le français. Parce qu'elle est perse. Elle avait pas bien compris. Elle avait pas bien compris la blague. Donc il a fallu que je fasse un petit replay. Bon, on peut y aller là. Il me fait plus peur, je connais son pattern. Allez, c'est stressant, je vous jure. Allez. Mais pourquoi il jette la clé? Mon dieu. Ce jeu veut ma mort. Allez, c'est bon. On y est. Ouais, c'est tellement culte. Bah, il fallait qu'elle le voie. Aujourd'hui, on pourrait plus faire un film comme ça. Ça se moque de trop de monde. C'est dommage, d'ailleurs. Parce que c'est vraiment très drôle. Il est encore très très efficace. Hein. D'ailleurs, plus je le regarde, plus il me fait rire. C'est un des rares films où on prend plaisir à... Et voilà! Alors... Il sait qu'il a réussi, là. Bon, je vais pas remettre Valérie Le Mercier à chaque fois. On peut prendre la petite ventouse, là? Non. Bon, on cherche la petite sauvegarde. On va pas se laisser, là, ça fait 2h. 2h08, vous vous rendez compte? On est tellement bien. Vous êtes tellement bien, là, avec moi. Ça fait 2h, on n'a pas vu le temps passer. Oui, tellement flegmatique à la Junio. Donnez-moi un morceau de cette chose longue et molle. Comme ça? Oui. Ouais, j'aime bien le « oui ». Excuse-moi, j'avais loupé ton commentaire. Bon. On fait une petite sauvegarde et puis on va se laisser là, hein. Pas trop d'en faut. Après, vous êtes trop gâté, puis après, vous devenez turbulent. Ah, par contre, j'ai trouvé un collectible. Alors, évidemment, on n'aura pas le trophée PlayStation, hein, vu que c'est Adi Daniel qui me l'a offert. Autant vous dire qu'on n'est pas sur PlayStation, là, hein. Bon, je vous demande pas ce qu'il faut faire, parce que vous... Bah, peut-être qu'il faut juste monter ici, hein, tout simplement. Et voilà. On va se quitter dans un univers de sac poubelle. La prochaine sauvegarde. Allez, soyons... C'est passé plus vite que Rule of Rose. Oui. Ah, il est très bien, mon Rule of Rose. Demain, tu seras bien contente de le retrouver. Non, demain, on va faire Ah non, mais on est passé de l'autre côté de la porte, ok. Allez, on feinte Léon une dernière fois et puis on se laisse là. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh merde. Ah, mais il y a sa femme! Il y a son Pax. Ils sont paxés. Là, maintenant, on peut lui donner un autre nom à lui. Allez, c'est le premier qui donne le nom. Léon et Liane saucisse, voilà. Ça y est. J'ai même pas eu besoin. Nick Taras, il avait déjà dégainé sa blague.
C'est Léon et Liane Saucisse, voilà. Attends, Rule of Rose va se poser gentiment à côté d'Amnesia. Non, j'ai envie de le faire. Je vais le finir, moi. Ou je le streamerai la nuit, quand il n'y aura personne. Mais vous savez que, avant de vous trouver, j'ai streamé, mais peut-être 60 heures où il n'y a personne. Mais je parlais tout autant, hein. Je parlais malheureusement, je parlais tout autant. Ils m'ont vu, mais c'est pas vrai. Ils m'ont vu, mais c'est pas vrai. Liane Folly m'a eu. Léon, j'avais réussi à l'avoir. Léon, je l'avais feinté. Mais Liane Folly, non. Liane Folly, elle est plus maligne que Léon. C'est elle qui tient la culotte dans le couple. On l'a bien vu là, qu'elle était bien plus finaude. Puis, elle est bien plus féminine que Léon. Léon, il se laisse aller. Attendez, je passe toujours par là, mais on peut pas aller un peu plus loin? Hein? Est-ce qu'on peut essayer d'être malin pour une fois? Eh oui! Et voilà, ils sont en train de faire la vaisselle. Et voilà, et on peut aller pousser encore un tout petit peu plus loin. Et ben voilà. Ah non, c'est fermé. C'est fermé, mais ça nous permet de voir. On va passer par là, en fait. Voilà. Ok. Ça nous permet de voir un petit peu. Ça nous permet un petit peu d'inspecter. Et puis là, ils peuvent pas nous voir. Alors évidemment, on éteint le Zippo. Non, je vous assure que le contrôle, il merdouille un petit peu. C'est pas méchant, mais un petit peu quand même. Je me suis auto... Non, ils ont pas l'air de comprendre. Oh, putain, on a du bol. Là, ça devait être Léon parce que Liane Saucisse, elle aurait tout de suite compris le truc. Elle aurait tout de suite compris que j'étais sous la table. Là, ça va faire quoi aussi? On a mis en marche... Les crochets, je suis jaloux, j'ai tellement eu un croche pour Léon, bah oui, bah je comprends. Mais la vie c'est souvent comme ça, hein. On a un crush, on se dit ah bah il est pour moi, bah il est déjà pris. Il est pour moi, il est déjà pris. Liane Saucisse lui avait mis le grappin dessus bien avant toi Léon, bien avant toi Léa. C'est vrai que tu t'appelles un petit peu comme Léon hein, Léa. Quelque part, t'as un peu le même nom. Les gens se sont jamais trompés en t'appelant Léon, non? Je trouve ça curieux. Il ressemble quand même étrangement à sa femme. Bon, pas du tout. Léon, et on voit bien Léon, regardez. Là, c'est Léon. C'est bon, ça, les crochets, ils avancent, là? Je suis en train de faire n'importe quoi, là, je crois. Les crochets se sont pas mis en route là. Faut que je... Je sais plus si je suis mort en fait. Non, j'étais pas mort. Ouais, voilà, je suis mort. Oh mon dieu. Allez, on va se laisser là. Ou je vous passe quand même ce petit passage. Parce que je sais qu'il vous passionne. Je sais que c'est un petit passage qui vous passionne. Allez, on fait juste ce petit passage là. Je crois qu'il faut que je cours en fait à l'endroit là. Vous voyez le long du plan de travail. Allez! Il se cogne partout. Ah mon dieu. Allez, on se laisse ici pour ce soir, d'accord? Et puis on passera le Léon et... comme ça on sait que dès demain... On aura à passer Léon et Liane Saucisse. Ça sera très bien comme ça. En tout cas, je vous remercie hein, d'avoir eu la patience de rester jusqu'au bout. Jusqu'à tard dans la nuit, là. Il doit être au moins 4 heures du matin. Ah ouais, d'accord.
Bah de dos, ce sont les mêmes. Ils ont tout de même du ventre vu de dos. Ah non, mais ils sont pas du tout pareils. Il y en a un qui est très. Léane Saucisse est très féminine. Et Léon, bah très viril, très masculin. On voit bien que c'est lui qui s'occupe de la saucisse. Elle, bon, elle est plus à faire les petites choses. Hein? Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous embrasse. Et puis pour les viewers aussi, hein, tous ces timides qui regardent sans chatter. Hein. Mais bon. Chacun Twitch comme il l'aime, comme il l'entend. Je vous laisse sur mon excellent générique de fin et je vous dis à demain 21h sans faute. Bisous. I do not believe in